Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu spéciale parce que en fait j'ai décidé sur la chaîne de faire des catégories de vidéos. Donc là ce sera une vidéo courte, donc je vais faire une petite catégorie gabarit, astuces, voilà un truc dans le genre. Vous pourrez la reconnaître par rapport à la vignette de YouTube. Donc jusqu'à présent mes vignettes, on a une banderole blanche avec le titre au-dessus. Et ben pour cette catégorie là je mettrai une couleur, voilà, je sais pas encore quelle couleur, mais ce sera une couleur. Donc ce sera des vidéos assez courtes et qui, pour moi, ce que je vais faire, ça va m'être utile et peut-être que ça peut vous être utile aussi. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va fabriquer, c'est que moi, comme vous, certainement, quand vous êtes dans l'atelier, vous avez des grandes planches. C'est assez difficile à transporter. Donc juste un petit chariot amovible pour poser la planche dessus et pouvoir la balader tranquillement dans l'atelier sans se faire mal. Ok? Alors pour ça, vous allez avoir besoin de quelques chutes de contreplaqué, deux charnières, deux petites roulettes. Voilà. Allez. Plus de blabla, on y va, c'est parti.
Bon voilà, donc l'assemblage est terminé. Désolé, j'ai pas appuyé sur le bouton pour enregistrer quand j'ai fixé les charnières, mais bon, voilà, j'ai fixé les charnières tout simplement dans ce sens-là. J'ai laissé un petit peu de jeu au milieu, comme ça, voilà, quand ça se ferme, les deux morceaux se touchent bien. Bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à faire un essai. On va regarder si ça fonctionne bien. Allez, on y va, ça tombe bien, j'ai des grandes tablettes, là, on va faire le test tout de suite. Allez, let's go. Alors, je vous le conseille de le mettre à peu près au milieu, hein, approximatif. Donc vous le posez au sol. Hop. Vous prenez votre planche. Hop, et voilà. Voilà, vous pouvez avancer, reculer, tourner. C'est pas mal. Donc voilà, bon bah écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est nickel, en plus ça vous tient la planche tout seul. On va essayer avec deux tablettes pour voir. Hein? Voilà. Je vous le conseille de le poser comme ça. Comme ça, enfin, je vous le fais voir. Bien à plat et non pas comme ça. Comme ça, vous visez bien le milieu. Donc on va se mettre au milieu là à peu près. Voilà, c'est super, c'est génial. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, je suis assez satisfait de ce petit prototype qui va bien soulager mon dos d'ailleurs. Alors évidemment, moi j'ai un peu de mal ici parce que comme vous voyez, j'ai du carrelage dans le garage. Donc il y a les joints, donc ça s'accroche un petit peu voilà, à chaque joint. Mais bon, si vous avez un béton ou une dalle, voilà, je pense que ça va super bien fonctionner. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et bien voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, bon, en attendant, je l'ai peint en noir pour que ça fasse un petit peu plus propre. Il fonctionne très bien d'ailleurs. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. À lâcher un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Alors pour ceux qui mettent un pouce vers le bas, ça ne me dérange pas du tout. Mais mettez juste dans les commentaires pourquoi vous mettez un pouce vers le bas, parce que en fait, ça m'aiderait peut-être à m'améliorer, à voir ce qui ne va pas dans mes vidéos. Voilà, donc le fait de mettre un pouce, c'est pas gênant, il faut juste l'expliquer pourquoi. Voilà. Après, je ne vous en veux pas du tout. Et puis écoutez, bah, dites-moi aussi si ce style de vidéo vous plaît, donc cette nouvelle catégorie d'astuces, outillage, petit bricolage rapide. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.